cache-cache à Sonny Cash et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Confuse, Madame Papillon. C'est sûrement un de mes chenapans qui aura laissé traîner une de ses toiles. Oh, pas du tout, c'est de ma faute. Oh, j'aurais dû regarder où je mettais mes ailes. Oh, au revoir. Oh. Je n'en crois pas mes yeux, il y en a partout. Oh. C'est pas tout ça, mais faut tout nettoyer. Ah, non, c'est à mon tour. Allez, oh, non, à moi, moi. Terminé. Je viens vous aider. Tu peux pas faire attention? Oh, qu'est-ce que je suis étourdie? J'avais pas vu que quelqu'un avait laissé des bouts de toile sur la table. Merde, il a qui ce gros fils? On va jouer. Oh. Le dernier dehors aura droit à un gage. T'en fais pas mal, au moins. Il t'a pas fait mal, au moins. Qu'est-ce que c'est que ces bolides? Vous avez organisé une course de voiture? Mieux que ça, on veut battre le record du monde d'amusement en une journée. Le record? Et ces fils qui traînent partout? On les rangera tout à l'heure, promis. Pas d'accord. Vos vieilles toiles laissées n'importe où gênent tout le monde. D'ailleurs, Madame Papillon a failli tomber tout à l'heure. Oh, le monde! Je vous laisse le choix. Soit vous les ramassez pour les mettre à la poubelle, soit vous les mangez de manière à vous en resservir une autre fois. Verk, manger nos vieilles toiles, c'est écœurant. Peut-être. Mais ne rien ranger, ce n'est pas mieux. Le dernier arrivé à la mare est un gros mollusque ensablé. Ce sera sûrement pas moi. Mollusque. Allez, vite, d'abord. Qu'est-ce que vous êtes là? C'est moi le premier. Attention, j'arrive. On recommence. Le dernier arrivé à Dressibel est une limace gluante. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Regarde ma toile. Je ne peux pas la laisser là. C'est pas grave. Tu nettoieras plus tard. On y va. Oui, et je vous garantis que ce sera pas moi la limace. Oh, moi non plus. Moi non plus. Terminé. À toi de jouer, Pupus. J'arrive. Un, deux, trois, décollage. Ouais, super. Wow, où je suis? Il est incorrigible, ma parole. Bon appétit. Ah, ce n'est pas ce que tu crois. Je recycle les toiles d'araignée que Speedo laisse traîner dans la clairière de Sonny Patch. Comme d'habitude. Oh, ces enfants sont tous les mêmes. Je viens de passer une heure à nettoyer des miettes de pollen laissées de ci, de là par mes chenapans. Oh, attends, j'ai une idée. Merci beaucoup, Béatrice. Rien de plus normal. Au revoir. Voyons voir où est-ce que mes petits diables ont bien pu aller. Sonny Patch. Oui, d'un bout à l'autre. Géant. Regardez, maintenant qu'on sait bien
remettre de l'ordre. Ça en fait des toiles. Oh. Allez, plus tôt on commence, plus tôt on finira. On va pas le laisser tout seul. Ah. Oh. Oh. C'est Vicky, la reine de la voltige. Venez tous, on va lui dire bonjour. Allez, on le suit. On le suit, on le suit, on le suit. Salut Vicky, on est là. Oh, c'est Vicky, c'est Vicky, c'est Vicky. Attendez-moi, j'arrive. Oh oui, regardez-la. Attention, piquet final. Bonjour Risque-Tou, comment va le petit surdoué de la voltige et comment vont ses frères et sœurs à huit pattes? Super bien! T'as vu ça? Et où sont passés les autres voltigeurs? Demain, on donne notre représentation annuelle de cascade dans les gorges de l'aigle du Pic du Diable. Je ne pouvais pas passer près d'ici sans venir saluer nos admirateurs de Sunny Patch. Est-ce que tu as mis au point de nouvelles figures? Tu peux nous les montrer? Allez, montre-les nous, s'il te plaît! Je peux vous en montrer trois ou quatre si le vol en altitude ne vous fait pas peur. Le vol en altitude, mais c'est ce qu'on préfère! Il y en a partout! Quel travail! Oh. Génial, j'ai même pas peur. Même pas peur, la tête en bas. Regardez-moi, je suis une mobile. Et un tonneau pour Frimousse. Impressionnant, hein? Super. C'est mon tour maintenant. Non, c'est moi d'abord. Voilà ce qu'on va faire. Risque-Tou essaie de me suivre et Speedo peut prendre son tour. Décollage. Je sais te faire place nette. Diantre. Vive la voltige! Extra! L'altitude, y a pas mieux pour garder la forme. Suivez-moi, les voltigeurs en herbe. Risque-Tou est en as. Non, Risque-Tou, attention, redresse. La toile. Rien de cassé. Réponds-moi, ça va? J'ai besoin de retravailler mon atterrissage. C'est ma faute. J'ai oublié d'appliquer la première règle de l'acrobatie. Ne jamais s'aventurer dans une zone sans visibilité. Bon, bonne règle. Enfin, tu as eu de la chance de ne pas te blesser. C'est ce qui compte. Non, ah. C'est quand même curieux. Je n'ai jamais vu cet endroit dans un état aussi pitoyable. Les araignées de Sunny Patch pourraient nettoyer un petit peu et enlever leur vieille toile. C'est moi qui ai laissé traîner toutes ces toiles. Excuse-moi, Risque-Tou. T'en fais pas pour ça, Speedo. Bon, avec tous ces obstacles qui tapissent la végétation, je ne peux pas voler en sécurité. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais aller dans le village voisin voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire un tour. Ça te dit de m'accompagner, Speedo? Non, je peux pas laisser Sunny Patch comme ça. Excellente idée. Alors, est-ce que tu es prêt, Risque-Tou? Le dernier arrivé au village est une vieille feuille pleine de trous. Oh, il me faudrait au moins 80 bras de plus pour ramasser toutes ces toiles. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez rejoindre Vicky? Oui. Allez, viens, Pupus, je t'emmène. Salut. Regarde qui est là. Oh, maman, maman. Écoute, Vicky, la libellule est au village. Tu veux venir avec nous? Je voudrais bien, seulement je ne peux pas. Des petits diablotins qui ne rangent rien ont dispersé un peu partout leurs toiles. Et il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Oh, c'est celle de Speedo? Oui. Ça en fait du désordre pour un seul petit garçon haut comme trois pommes. C'est-à-dire que il n'était pas seul à jouer, on était ensemble. Oh, dans ces conditions, vous devriez me donner un coup de main. Oui, mais on voulait retrouver Vicky. Virage, pas d'obstacle en vue. Ah, te voilà. Maman! J'ai trouvé ces toiles éparpillées dans tout Sunny Patch. Ce ne seraient pas les tiennes?
Je sais, j'aurais dû les ramasser tout de suite, mais on s'amusait tellement que j'ai pas eu le temps. Je sais que c'est pas bien. Bon, est-ce que vous avez battu le record de la journée la plus amusante? Ça y était presque, mais je n'ai pas pu faire de voltige sur le dos de Vicky. Salut, Speedo. Pupus? Frimousse? Ah, vous n'êtes pas avec Vicky? On s'est dit qu'on s'était drôlement bien amusé avec tes toiles. Et qu'il n'y avait pas de raison que tu les ranges tout seul. Je suis complètement d'accord. Tous ensemble, on n'en a pas pour longtemps. Ça, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette boule de toile? J'ai ma petite idée. C'est comme les nouilles. Quelle belle leçon de la nature! Rien ne se perd, tout peut se recycler. Même les bisous! Maman! Papa! Venez voir! Coucou maman, coucou papa! Regardez-moi! Je suis une jolie libellule! Je vais te montrer ce que c'est un turbite. Papa, c'est rapide. Bien joué, passe à l'avant. T'inquiète pas. Je l'ai. Herp, dribble. Je l'ai plus. Excellent. S'il croit que je vais me laisser avoir. Et tu Bien joué. Allez, Speedo. Bien joué, mon grand. Oui. Avec ce coup d'éclat, je suis sûre que tu es le meilleur joueur de football de Sunny Patch. Tu vas finir au championnat du monde. Tu penses vraiment? Mais oui. Quel beau match! Vous allez pouvoir briller au grand championnat de football qui a lieu demain. Zigzag, ça va? Excuse-moi, Frimousse. De quoi? J'ai laissé Speedo marquer un but. C'est pas grave, c'est ça le jeu. On ne peut pas gagner tout le temps. Que tu crois? Speedo et moi, on peut. Pas vrai? Ce qu'il y a, c'est que j'aurais tellement voulu que... Et puis je me suis entraînée dur et... Allons, ne sois pas triste, Zigzag. Ce qui compte dans le sport, c'est de participer. Écoutez-moi, les enfants, vous courez dans tous les sens depuis ce matin. Ça vous dit de reprendre des forces avec un bon gros gâteau? Miam! Oh, oui, j'ai faim! Zigzag, tu veux bien m'aider à couper le gâteau en parts? Comme ça, tu pourras avoir la première. Je veux bien, maman. Allez, les enfants, il commence à se faire tard. On y va. Tous à la cuisine, oui. On va se régaler. Tu as vu, Zigzag? Il l'a drôlement mal pris quand j'ai marqué. Ouais, c'est quand même un sacré pleurnichard. Allez, puisque tu es le roi des buteurs, tu vas m'entraîner. C'est parti. Pour une grand-mère, je suis encore en forme. Dis-moi, risque tout. C'est quoi un pleurnichard? C'est quelqu'un qui pleure pour un rien comme un bébé, dans le style de Zigzag. Alors c'est mal de pleurer? Moi je pense que quand on est petit, c'est pas grave. Mais les grands comme moi, ils ne pleurent jamais. Ah bon? Non, jamais. Moi non plus, je pleure jamais. Tiens. Oh, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Il y a un hibou à Sunny Patch! Oh non, où ça? Regarde! Oh, ça lui ressemble, non? Tu sais que pendant une seconde, j'ai failli marcher. Arrête! Tu vas quand même pas te mettre à pleurer! Mais non! Quand on est grand, on ne pleure pas! Je vois que tu as compris! Maintenant, on joue! C'est le moment de faire une tête. Vas-y, Oh, chérie, ça va? Oh, le pauvre petit. Oh, ce n'est pas grave, mais tu dois avoir une belle foulure. C'est rien, Speedo, tu es grand maintenant, tu en verras d'autres. C'est vrai qu'il est grand, mais une foulure, ça fait très mal. Je sens rien du tout.
Mais je vais quand même rentrer à la maison. Oh, suis-moi, mon chéri. Oh, aucun doute, c'est une foulure. Oh, je le regrette pour toi, mon grand, mais pas question de participer au tournoi demain. Je suis obligée de jouer. C'est le plus grand tournoi de l'année. Je ne peux pas rater ça, ce serait trop horrible. Et puis, est-ce que tout compte sur moi? Il a dit que j'étais le roi des buteurs et je l'ai prouvé. Ce n'est pas parce que tu ne joues pas que tu n'es pas un bon joueur. Je comprends que tu sois déçue d'abandonner le championnat, mais... C'est peut-être pas une vraie foulure ce que j'ai. C'est peut-être seulement froissé. Et si ça se trouve, demain matin, je n'aurai plus rien. Et peut-être Speedo, que... Speedo, c'est pas juste. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai eu des déceptions. Oh, moi aussi. Et le remède, c'est de pleurer un bon coup. Non, je n'en ai pas envie. Comme tu veux. Je disais ça pour te soulager. Allez, on va te faire un beau pansement. Le grand ne pleure jamais. Le grand ne pleure jamais. Oh. Vite, maman, on va être en retard au tournoi. Quelqu'un peut me dire quel temps il fait? Le ciel est bleu, le soleil brille. C'est le temps idéal pour assister à un tournoi de football. Allez, oh. Décollage. Football, triple saut. Au revoir à tous, amusez-vous bien. C'est difficile, je sais, mais il y aura d'autres matchs. Oui, je m'en doute. On jouera en pensant à toi, Speedo. Attendez-moi, j'arrive. Papa va te porter jusqu'au stade. Moi, mais je n'ai rien à faire là-bas, je ne joue pas. Non, mais tu peux regarder et surtout encourager tes frères et sœurs. Allez, grimpe sur le train express, c'est toi qui seras le conducteur. Non, merci, papa, je n'ai pas envie d'y aller. On dirait que mon poussin a encore de la peine. Non, je suis grand maintenant, je ne veux pas fatiguer ma jambe. Je préfère rester allongée. Malgré ce qu'il dit, je crois que notre grand garçon va avoir besoin de nous. Ne t'inquiète pas, je vais prendre le temps de le surveiller. Chers amis, chers voisins, chers spectateurs et supporters, nous sommes ici, au fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est le grand tournoi annuel. Que la fête commence! Je suis génial. Bien joué. Oh, c'est la classe. Oh, quel match. Regarde. Le grand ne pleure jamais. Non, jamais. Ce n'est pas juste, je ne peux pas jouer. C'était pourtant mon jeu préféré. De les voir tous courir et voler, ça me donne envie de... Mais je serai plus fort qu'eux. Je ne pleurerai pas. Peut-on faire quand on est malheureux? Un simple sourire semble douloureux. C'est difficile de se sentir hors jeu. Je ne suis pas d'accord. Mais je serai le plus fort. Non, je ne pleurerai pas. Car les grands ne pleurent pas. Speedo, ça va, mon grand? Tu t'es quand même décidé à venir voir le tournoi? Non, j'ai voulu prendre l'air pour... J'avais envie de regarder les nuages dans le ciel. Puisqu'on en parle, sais-tu que les nuages accumulent toutes sortes de choses quand ils voyagent? Ah bon? Mais quel genre de choses? Eh bien, de l'eau, de la fumée, des poussières si elles sont très fines, et peut-être même un peu de tristesse. Oh, ça se gâte! Oh non, ça noircit! Tu vois le petit nuage qui est là? Eh bien, à mon avis, oh, il doit être très triste. Tu en es sûr? Écoute.
C'est sûr. Ce nuage est en train de bouillonner d'émotions mélancoliques. Et quelquefois, il est chargé à tel point qu'il doit se délester d'une partie de son contenu. Alors il pleut. Exactement. C'est comme ça que nous appelons un nuage qui pleure, n'est-ce pas, Henri? Oui. Les nuages, les araignées, les libellules, les petits et les grands. Un jour ou l'autre, on a tous besoin de pleurer. Arrêtez, mais où est-ce que vous allez? Ce n'est qu'une petite pluie. Oh non, mes ailes sont trempées. Je peux plus voler. Allons, allons, mon petit. Prends un mouchoir, Trésor. Ça va mieux? Oui, oui. Non, je parlais à Speedo, pas à toi. Oui, maman, je me sens beaucoup mieux. Comme le petit nuage. Comment tu le sais? Parce que lorsqu'un nuage a fini de pleurer, il se sent tellement bien qu'il fabrique... Oh! Un arc-en-ciel! Oh. Alors... Oh, regardez, comme c'est joli! Oh oui, alors! Oh, maman, papa, c'est ce que je ressens au fond de moi maintenant. Un arc-en-ciel! Oh. Ensuite, ils vécurent heureux. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Le tournoi a été annulé à cause du mauvais temps. Et il faut dire que pour certains d'entre nous, ça a été une énorme déception. J'allais jouer le match de ma vie. C'est pas juste. J'avais le ballon, j'étais prêt à tirer. Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Moi, je sais ce que tu ressens. Est-ce que tout ça va passer? Je vais très bien. Je ne pleure pas. Ça, c'est des gouttes de pluie. Tu as le droit de pleurer. Même les grands, ils pleurent quand ils ont du chagrin. Ah oui? C'est toi qui as raison. J'ai beaucoup pleuré. Maintenant, ça va mieux. Vous savez quoi maintenant? Grâce à la pluie, on va se régaler avec ce bon gros gâteau. Ah oui! Oui, un gâteau!